loaded. Oh shit. Oh day. Pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around. It look like Circus Soleil. This is not the album either. These are just the throwaways. This shit's still so cold. Les gars, c'était on se retrouve sur NBA 2K sur NBA 2K17 en mode calme. L'épisode, ouais, petit épisode, hein. Cassage de cheville numéro 3, god damn. Et aujourd'hui, on va parler, les gars, d'un nouveau concept que j'aimerais mettre en place pour la description. Donc, dans ma description, les gars, vous trouvez les musiques de Simoz, vous trouvez la chaîne, bien sûr, à BZ Drainier, vous trouvez la chaîne à Wave. Et la chaîne à vous trouvez aussi la chaîne à Thunder the Great, c'est mon petit protégé. Et vous avez, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas encore vu, vous avez aussi la section ProM de la SB dans la description. Et j'aimerais en fait, dans la description, j'aimerais faire, ouais, mettre en place un nouveau concept. Donc le nouveau concept, pour vous en parler, c'est la chose suivante, c'est que je vais mettre 3 vidéos mystères dans la description. Ça veut dire que, voilà. Tu regardes la vidéo, tu mets un petit like, hein, comme d'hab. Oui, aussi, on va parler en fait un peu de l'algorithme de YouTube qui a changé. Et ce que je pense de ça, c'est plus compliqué pour les petites chaînes, en fait, pour les petites chaînes YouTube. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué, donc on va parler de ça après. En bref, dans la description, en fait, je vais mettre 3 vidéos mystères. Ces 3 vidéos mystères, ça peut être une de mes anciennes vidéos, une vidéo de BZ Drainier qu'il a commencé quand il a commencé sur YouTube, mais ça peut aussi être, god damn, ça peut aussi être une vidéo de toi qui regarde cette vidéo. Et c'est ça en fait, mon but, c'est ça, c'est que dans ma description, tout simplement, je peux mettre une de tes vidéos, parce que récemment je tourne un peu sur YouTube pour tous ceux qui marquent un commentaire sur parfois je clique dessus, voilà, je clique sur votre chaîne et je vais faire un petit tour pour tous ceux qui mettent un like. C'est pareil, je clique dessus et la plupart je vois des gens qui font des vidéos sur FIFA, des gens qui veulent commencer aussi sur NBA 2K. Donc je me dis pourquoi pas, dans la vidéo mystère je peux mettre une de mes anciennes vidéos. Une vidéo peut-être qui a rien à voir avec 2K mais que j'ai trouvé marrante, hein. Ou une vidéo BZ Drainier, mais ça peut aussi être une de tes vidéos, une de vos vidéos. Que voilà, tout simplement, peut-être que voilà, t'as fait un montage, t'as fait une vidéo, t'as fait une création de joueur. Je me dis ouais, il explique bien, franchement j'ai bien kiffé qu'est-ce qu'il dit. Et ouais, bam, je te mets en vidéo mystère, je te mets en vidéo mystère dans ma description, voilà. Pour certains, ça peut leur rapporter 1 ou 2 vues, pas plus. Non, pour certains, ben voilà. Si tu vois dans ta file d'abonnement, ben y a rien, tu te fais chier. Et ben voilà. Tu sais que dans ma description, t'auras 3 en fait, 3 vidéos mystères. Ça peut être n'importe quoi. Et tu peux découvrir des nouvelles chaînes, tu peux découvrir peut-être un bon travail aussi de nouveaux joueurs, de nouveaux youtubeurs sur 2K, etc. Ou bien même des gens qui font des vidéos sur FIFA. Peu importe, franchement peu importe les vidéos mystères. C'est à toi de décider si tu veux cliquer, si tu veux aller regarder ces vidéos mystères pour savoir, qu'est-ce qui se cache derrière la vidéo, tout simplement. Si tu veux découvrir, c'est un nouveau concept, ça peut aider des gens. Ça peut aussi, imaginons, je vous mets la toute première vidéo que j'ai mis sur ma chaîne. Ça peut rappeler des souvenirs à mes tout premiers abonnés et ça peut faire découvrir aussi comment c'était avant à tous les nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, les gars, je tenais encore à vous remercier. Ça c'est, ouais, ça va vite, franchement ça va plus vite de ce que je pensais. Et ouais, je prends pas assez de temps de vous remercier, franchement, tous les gars sur la chaîne, gros big up à vous les gars. Enfin bref, ouais, ça peut être, tu peux découvrir quelqu'un, tu peux découvrir une chaîne, peut-être que tu vas aimer le contenu. Tu peux retomber sur une de mes dernières vidéos et imagine que tu avais jamais vu cette vidéo, puis tu dis ah ouais, putain, je savais pas qu'il avait vu cette vidéo. Enfin bref,
Ça, c'est un nouveau concept que j'aimerais mettre en place. Donc, dites-moi dans les commentaires, c'est quand même assez important. Step back. Step back. C'est quand même important de savoir, ben, pour moi, qu'est-ce que vous en pensez. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez de trois vidéos mystères que je mettrai dans la description. Et c'est à vous de prendre l'initiative de cliquer pour aller voir qu'est-ce qu'il en est, tout simplement. Et ouais, on va parler maintenant, ben, de YouTube. Alors, pour parler de YouTube, on a, à ce que j'ai compris, l'algorithme de YouTube qui a changé, donc pour moi, de ce que j'ai capté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour éviter, en fait, je pense, d'après moi, c'est pour éviter tout ce qui est un peu putaclic. Donc putaclic, c'est vraiment, pour vous dire, putaclic, qu'est-ce que c'est? Putaclic, c'est que tu as un titre, une description, t'as un titre et une miniature, mais genre à guicheur, tu vois, c'est vraiment guicheur. T'as le titre, t'as la miniature à guicheur, tu te dis putain, ça c'est peut-être une vidéo de ouf, en fait, et en fait non. Et en fait non. En fait, la vidéo c'est un truc tout con, ou bien même des fois c'est pas du tout ce qu'il y a dans le titre, c'est pas du tout ce qu'il y a dans la miniature, et ça c'est ce qu'on appelle putaclic, donc c'est pour attirer les vues. Et je pense que YouTube a fait ça pour éviter ce truc de putaclic, en fait, voilà. Et d'après moi, ils ont fait ça pour ça, donc. Maintenant, pour se faire en fait voir par des personnes qui ne sont pas abonnées à ta chaîne, pour se faire découvrir par des personnes, pour gagner en fait de l'audience, qui est, ben, ce qui est le but de toute personne sur YouTube. Et ouais, en fait, ça c'est par rapport au like, c'est vraiment par rapport au nombre de likes, par rapport au, ben, par rapport à ça, par rapport au like et au dislike. Donc c'est vrai que dans la plupart de mes vidéos, je vous demande pas, franchement, je vous fais confiance à tous un par un, je vous demande pratiquement jamais de like, mais en fait, et ouais, c'est, en fait, c'est ça qui aide en fait les youtubeurs à monter sur YouTube. C'est ça qui nous permet d'être visible par tout le monde, c'est réellement en fait le nombre de likes, c'est par rapport à ça. Et si tu veux, alors moi je reste moi-même, hein, sincèrement. Yay. Je reste moi-même sincèrement sur la chaîne. Je vois que vous pétez à chaque fois la barre de like, pour ça je me fais aucun souci, je vous fais confiance. Et juste pour vous faire savoir que si tu kiffes bien la chaîne, franchement, si tu kiffes bien la chaîne, tu sais que si tu veux que voilà, que ce youtubeur ou que tel youtubeur il se fasse reconnaître, il se fasse entre guillemets connaître par la communauté, connaître sur YouTube, ben, il suffit de lâcher un like. C'est vraiment, ouais, ça prend 2 secondes, et c'est ça en fait qui est important maintenant sur YouTube. C'est plus par rapport au nombre de vues ni rien, c'est vraiment par rapport au gars, c'est vraiment par rapport en fait au nombre de likes. Donc si tu kiffes cette vidéo jusqu'à maintenant, n'hésite pas à lâcher un like. Miskin. En bref, non, c'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude de vous demander des likes, etc. Je sors la vidéo, à chaque fois je vois plus de 100 likes, 150 likes, et ouais, ça me fait chaud au cœur. Faut pas rester sous le panier. Et ouais, carrément, ça fait chaud au cœur. Je vous fais confiance. Sans demander de like, vous pétez à chaque fois la barre de like, et ça prouve que le travail est apprécié. Et pour moi, c'est très très important. Enfin bref, on va parler maintenant un petit peu de Touquet 15. Et donc, c'est vrai que j'étais, bah, déçu. Non, déçu, non. Comment caractériser ça? J'étais pas déçu, mais j'étais un peu triste en fait. J'étais un peu triste pour NBA 2K15. Voilà, certaines personnes n'ont pas connu, n'ont peut-être pas apprécié durant la série que j'ai fait des 5 épisodes, parce que oui, effectivement, l'épisode 5 était le tout dernier épisode de la série NBA 2K15. Et ouais, un petit peu de nostalgie. Je suis quand même un peu triste pour la. Ouais, c'est comme ça, hein. Je suis quand même un peu triste pour la. Miskine. Je suis quand même un petit peu triste pour la série. C'est vrai que Touquet 15, c'était un jeu que j'ai apprécié et que j'aimais beaucoup y jouer. Maintenant, bon, on va tirer une croix dessus, les gars. Touquet 15, officiellement, les serveurs sont fermés. Touquet 15 ne fonctionne plus. Et on a décidé. Voilà, il y a BZ Rennie qui est revenu dessus. Il y a aussi plein de gens, plein de mes abonnés qui m'ont, je pense, aperçu sur Stream Rennie, sur aussi bah, au parc, tout simplement. Au parc Touquet 16, donc on va reprendre le Touquet 16, les gars. On va reprendre le Touquet 16, et voilà. Je vais lancer une série dessus. Je vais vraiment lancer une série dessus. Je sais pas encore si on ira au stage, si on ira au parc. En fait, ce sera le même concept que Touquet 15. Je vais pas vous présenter Touquet 16 parce que la plupart d'entre vous, bah, vous connaissez déjà le jeu et vous le connaissez très bien. Donc, je vais pas vous présenter Touquet 16. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour revenir un peu aux sources, pour revenir
pour revenir à l'époque en fait, pour revenir à l'époque de 2K16. Bien sûr, 2K16, ils ont le patch 6, donc il n'y a plus de speed boost, il n'y a plus le même gameplay. Maintenant, j'y suis retourné sincèrement sur 2K15, c'est vrai que je suis un peu perplexe, je sais pas si j'aime ou j'aime pas. Franchement, à première vue, quand j'ai recommencé, pour tous ceux qui se rappellent, à spammer le cross 16, à faire des slides et des tourniquets je sais pas quoi, ouais, ça m'a rappelé des souvenirs. C'est vrai que au fond de moi, j'ai kiffé. Quand j'étais là, je spammais 6 fois un cross 16, j'ai dit putain, j'arrivais encore à spammer le cross 16, god damn. Et ouais, je me rappelle de quelqu'un aussi sur le stream ABZ René qui disait ouais, Jimmy il move même sur GTA, miskin. Big up à celui qui a dit ça, je me rappelle plus qui c'est. Et ouais, les épisodes en fait 2K16 vont commencer, les épisodes 2K16. On va reprendre le 2K16 du dimanche. Je pense que vous l'avez compris. Mais non, c'est plus 2K15 du dimanche. On va passer au 2K16 du dimanche. J'espère que la série en fait elle va vous plaire. Et on va faire ça. Je serai avec BZ Rény. Donc on va oublier en fait le délire de changer de jeu. Peut-être à l'avenir. C'est vrai que peut-être à l'avenir on pourra faire un autre jeu que la série 2K. Que la franchise 2K. Pour l'instant, voilà, je vous ai posé la question. La majorité d'entre vous ont voté en fait pour 2K. God damn. Ont voté pour 2K 16. Donc on va retourner sur 2K 16 en balle. Et encore une dernière chose, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va passer maintenant, comment dire, on va passer maintenant sur quelque chose que, en fait, c'était une rumeur qui courait dans les vidéos que je regarde, dans les vidéos que je regarde et dans tout ce que je peux, parce que je m'intéresse beaucoup aux jeux 2K17, hein, même s'ils font, ils sont quand même au 7ème patch, n'est-ce pas? Je m'intéresse quand même aux jeux et là je me suis pris quand même une petite claque intergalactique, hein, galactique. Bon, 96 de général, on est d'accord, 96 de général, 1m 98, 81 kg, 21 ans. Et oui, au passage, c'est mon âge dans la vraie vie, on s'en bat les couilles. Bon, pour tous ceux qui voulaient voir mes stats exactes, c'est vrai qu'il y a plusieurs stats qui seront différents par rapport à certains. C'est parce que en carrière, j'ai taffé le meneur, j'ai trouvé des moyens d'augmenter le meneur, comme la réactivité, main, il y a quoi, provocation de faute, QI tir, facteur exogène, réactivité, etc. Ça, j'ai déjà dit. Voilà, vous voyez aussi tous mes badges, donc ça c'est tous les badges principaux que j'ai. Et ce que je me suis fait, un délire dans ma tête, je me suis dit ok, je vais contrôler si les 96 de général, c'est un vrai général. Donc j'ai créé dans les options de 2K, j'ai créé le même meneur que j'ai. Donc voilà, un joueur, meneur, 1m98, 81 kg, envergure, tout ça ne change pas. J'ai même, regardez bien, c'est là où, moi je vais vous montrer juste après, c'est là où je me suis pris quand même une claque. J'ai repris exactement les mêmes mêmes stats. J'ai repris les mêmes stats que j'ai sur mon meneur en carrière. Donc depuis la carrière, j'ai repris exactement les mêmes stats, les gars. J'ai même repris tout ce qui était des zones préférentielles, donc ce qu'on appelle les hot zones. Donc là, on a la preuve formelle que oui, bon, mauvais, indifférent, les hot zones sont valables dans le jeu. Donc j'ai repris exactement les mêmes hot zones que j'avais, que j'ai maintenant dans ma carrière actuelle. J'ai repris tous les badges que je vous ai montré avant, j'ai tout repris, j'ai tout retranscrit. Et c'est là où je me suis pris quand même une claque. Et je me dis, 2K, comment ils calculent, mais comment vous faites pour calculer en fait, comment vous faites pour calculer le général? 85 de général. Ce qui me fait penser qu'en fait le potentiel est votre vrai général. Donc 96 de général et là on a 85. Je me dis, 2K, c'est foot de notre gueule. Allez, I'm out les gars et je vous kiffe. Allez, peace.